chanson, viens avec nous les Pini Girls. Cette fois, tu ne gagneras pas. Tu es bien sûr de ça? Hein? Mais qu'est-ce que vous faites encore là, vous? Allô? Oui, oui, oui! Oh! Non! J'étais sur le point de l'écraser. Vous ne devriez pas faire vos valises. Et toi, tu ne devrais pas rallumer la télé. Demain, c'est la fête des pères. Pourquoi vous n'êtes pas rentrés chez vous? Ah, les parents. Il y a une fête des enfants? Non, je crois pas. Sérieux? C'est censé être une journée cool. Cool. Bien sûr. Papa? Si on se voyait plutôt la semaine prochaine. Parfait. Bisous. Mouah. Contente? Vas-y, Lilith, détruis-le. C'est incroyable que vous n'ayez pas envie de fêter ce jour avec vos pères. De fêter? Oui, bien sûr. Mais avant toute chose, on va célébrer la fête des amis. Elle est trop bonne. Allons, Michel. Ne dis pas que tu n'as pas envie de passer la journée avec nous. Ben, je... Enfin... Disons que c'est oui. Pense un peu à tout ce que tu as envie de faire, Mich. On a toute l'école rien que pour nous. Et puis surtout, pas de parents. Si vous le présentez comme ça... Je savais que tu adorerais. Parfait. Un jour, je battrai Sam. Ah, tu crois? Chérie, tu ne prendrais pas la fête des amis un peu trop au sérieux? Quoi? Ça? Non, c'est une surprise pour mon père. Et notre fête à nous, alors? Pardon, les filles. J'ai pas vraiment eu le temps. Je... Michel. La dernière fois que tu m'as fait un cadeau pour la fête des pères, tu avais 5 ans, ma chérie. Tu n'aurais pas dû te donner autant de mal, ma petite. Je voulais marquer le coup cette fois-ci. Attends de voir ce que j'ai préparé d'autre. Je croyais que tu avais des projets avec tes amis. Oui, bon, mais j'ai aussi envie de passer du temps avec toi. C'est la fête des pères. Ah. J'avais prévu d'aller au club de pêche après le travail. Je ne sais pas si c'est compatible avec tes projets. Oh, c'est pas grave. On fera ça un autre jour. Hein? Je vais gagner! Je vais gagner! Je vais gagner! Parle pas trop vite! Allez, Sam, tu peux le faire! Écrase-le, Lilith! Ouais! J'ai gagné! Je veux ma revanche! Je crois que tu ne peux pas battre un as comme moi, Lilith. À nous deux, Michel! Hé! Mais où est-ce qu'elle va comme ça?
Michel, comment ça se passe? Ben, tu sais, comme d'habitude. Et donc ça va? Alors, ton club de pêche n'est pas aussi important, non? Je veux dire, t'es pas obligé d'y aller, n'est-ce pas? Ah, ce n'est pas une question de vie ou de mort, mais... Tu vois? C'est ce que je pensais. En plus, ça ne dérangera sûrement pas les garçons. Je veux dire, les adultes. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Chérie, peut-être que je ferais mieux de... Donc c'est réglé. Tu vas adorer mes amis. Mon père va se joindre à notre fête des amis. Ce serait génial! Est-ce que j'ai bien compris ce qu'elle a dit? Tu peux le faire, papa! Montre-leur qui sont les Fairchild! Et est-ce qu'il est dans notre équipe? Je n'en ai aucune idée. Chérie, tu ne penses pas que je devrais vous laisser seule? Quoi? Mais il s'amuse beaucoup aussi. Je sens que je n'ai plus du tout d'énergie. Les amis, toute cette marche est en train de m'épuiser. Je ne savais pas que New York était une ville aussi grande. Mais où est-ce qu'il nous emmène? Allez les amis, vous allez adorer. Arrêtez de faire ces têtes. Je vous ai pas encore montré le restaurant où papa et moi on a vu le président faire jaillir du milkshake de son nez. Et la rue où on a trouvé un hydra. Et cet autre truc super cool que je voulais aussi... Michel, aussi... du calme. Et si on se reposait un petit peu, non? C'est ça. Des crêpes. Des crêpes. Et voilà. Tu vas manger tout ça toute seule, c'est ça? Bien joué, papa. Tu es génial. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Merci, ma chérie. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Ouais. C'est qui l'as maintenant, Sam? Je veux ma revanche. C'est quoi ton petit numéro avec ton père? Tu cherches à avoir plus d'argent de poche, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque chose vous dérange? En vérité, ce n'est pas du tout le plan que j'avais en tête. Hein? Je comprends pas. Bon, on ferait mieux d'y aller. Mais pourquoi? On s'amuse bien. Ouais, Michel, on faisait nos trucs et toi avec ton père, tu sais. Pardon, Monsieur Fairchild, mais on n'est pas de la même génération. Non, c'est faux. Pas vrai, papa? Chérie, tes amis ont peut-être raison. Vraiment? Je voulais juste... Je voulais juste que tout le monde passe une journée parfaite. Je sais pas trop. Je voulais juste que la fête des pères sans père soit différente cette année. La fête des pères sans père, c'est vraiment très drôle. Oui, très drôle. La fête sans père, c'est ce qui se passe quand t'as été adoptée. Mince. Maintenant, je comprends pourquoi Monsieur Fairchild n'a pas de cheveux roses. C'est fou, hein? Encore un secret dévoilé de la vie de Michel Fairchild. Adopté? Michel, c'est bien ce que tu fais. Toi, au moins, tu passes la fête des pères avec ton père adoptif. Et nous, les amis, qu'est-ce qu'on fait? À quoi est-ce qu'on pensait?
Pardon, Michel. Tu fais pleurer Tasha. Allô, papa, tu t'aimes moins fort. Papa, je t'aime. Papa, bonne fête des pères.